don't know how and I don't know why. I don't know how and I don't know why. Vous avez déjà certainement croisé ces petites fleurs mauves qui fleurissent dans nos campagnes normandes chaque fin de printemps. Le lin est une plante aux multiples facettes. 50% de la production européenne est cultivée en Normandie. Avec environ 23 000 hectares en 2014, le département de Seine-Maritime est le plus gros producteur français. Nous avons rencontré un cultivateur de Tocqueville-sur-Eau de la commune de Petit-Caux qui a accepté de nous expliquer les différentes étapes, et sachez qu'elles sont nombreuses, avant la récolte et bien sûr de le retrouver dans nos vêtements ou pourquoi pas dans nos assiettes. Reportage sur une petite fleur très courtisée. Bonjour, je m'appelle Samuel Krafker, je suis agriculteur à Tocqueville-sur-Eau avec mon frère. Nous avons deux élevages, de porcs et de vaches salaires. Et nous avons aussi plusieurs cultures, des céréales, des betteraves, des pommes de terre et du lin textile. Et là, nous sommes dans une parcelle de lin textile. Alors, il faut savoir qu'en général, on ne peut faire du lin dans une parcelle que tous les 5 à 6 ans. Si on en fait plus souvent, il y a des risques de développement, notamment de maladies. Ensuite, le lin est en général implanté après du blé qui a été récolté l'été précédent. Et on sème le lin autour du 15 mars. Donc il faut savoir qu'une graine de lin ne donne qu'une tige et donc on sème environ 2000 graines par mètre carré. Donc on le sème autour du 15 mars, il lève fin mars et il fleurit courant juin et on l'arrache un mois après la floraison. Donc là, la parcelle où nous sommes, elle a été arrachée ce matin. La culture du lin connaît plusieurs processus à date fixe qu'il ne faut pas manquer. Fin février, début mars, on commence d'abord par semer les graines, puis on patiente. La pluie normande très abondante ainsi que le soleil feront le reste. À partir du mois de juin, et je suis sûre que c'est votre période préférée, de petites fleurs bleu mauve pointeront le bout de leurs pétales, sauf par temps de pluie où elles se ferment, c'est la floraison. Ensuite, vers le 15 juillet, on enlève tout ça. De grosses machines arracheront les végétaux, c'est l'arrachage. Deux semaines plus tard, on retourne le tout pour garantir un bon ruissage, c'est-à-dire la fermentation, c'est le retournage. Et on finit par le rentrage, c'est-à-dire qu'une machine va rassembler les herbes en bottes et les rentrer dans un entrepôt. Alors, ce qu'on aime bien quand il y a un arrachage, il faut éviter qu'il y ait une pluie trop rapide derrière l'arrachage pour permettre un bon séchage, un bon fanage du lin au sol, ce qui derrière va permettre une meilleure qualité du lin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le lin est arraché et non pas coupé, parce que sinon vous auriez des problèmes avec les fibres qui sont dans la plante au niveau du sol. Donc c'est juste un jeu de courroie qui arrache le lin et qui le repose derrière. C'est une machine qui arrache, sinon à la main ça serait très, très gênant. Ça prendrait beaucoup trop de temps et on ne pourrait pas avoir les surfaces qu'on a. Alors, le système de courroie permet de mettre d'un côté les têtes qui comportent les graines et de l'autre les pieds. Et cette opération de mise en parallèle de toutes les plantes permet après la récolte dans la phase de taillage qui va permettre de séparer les fibres du bois et des graines, de faciliter les opérations de séparation. Alors, le principe, là, on dépose les plantes au sol. Donc, on attend que ça sèche bien, un bon fanage. Et ensuite, c'est l'alternance de conditions humides et de conditions sèches qui va permettre un développement des micro-organismes qui vont séparer la fibre du bois au niveau de la plante. Parce que si on le faisait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire mécaniquement. Donc on laisse agir la nature avec le climat et donc derrière on voit une fois qu'on a une fibre qui se détache très bien du bois, on rentre le lin en boule dans les hangars pour qu'il soit travaillé plus tard.
ça nécessite aussi une phase de retournage. En fait, à un moment, on met la face supérieure dessous et la face inférieure sur le dessus pour permettre l'alternance avec le soleil qui permet un rouissage homogène. Donc, le semis au mois de mars, la floraison au mois de juin, l'arrachage mi-juillet, le retournage suivant les conditions climatiques. Alors là, cette année, il y a des lins qui sont un petit peu plus volumineux, donc on va retourner une dizaine de jours après l'arrachage pour permettre un bon séchage et une homogénéité au niveau de la face inférieure. Un deuxième retournage quand la face supérieure aura pris des couleurs et sera devenue brune. Et un rentrage autour du 15 août, voire plus tard si les conditions climatiques ne sont pas forcément optimales au bon développement du rouissage. Dans les prochains épisodes, vous verrez le dernier processus de transformation du lin avant qu'il ne finisse en pantalon par exemple, et le Festival du Lin, grand moment de rassemblement où vous découvrirez ce petit trésor sous des formes étonnantes. I don't know how and I don't know why. Yeah, I don't know how and I don't know why.